Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors, aujourd'hui, on va faire la correction d'une situation de communication de français. Il s'agit ici de communication progressive du français avec 270 activités. 270 activités. Alors, bien sûr, ces cours sont destinés uniquement pour les adolescents, les faux adolescents et aussi les adultes qui ont un niveau de français débutant et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer en français avec toute aisance. Avec vous, Monsieur Subdelal de la chaîne Je Communique TV. Alors, faire des achats. C'est la situation de communication qu'on doit faire aujourd'hui au propos de correction des activités dans une boutique de vêtements. Alors je vous rappelle, la vendeuse. Bonjour madame, je peux vous aider? Non merci, je regarde. Est-ce que je peux essayer cette jupe, s'il vous plaît? Oui madame, les cabines sont au fond. Alors ça va. Non, pas vraiment, c'est trop court. C'est trop court. Vous voulez essayer une taille au-dessus? Oui, peut-être. Normalement, je fais du 38. Je fais du 38. Mais apparemment, ce n'est pas assez grand. Je vous apporte un 40 quelques minutes plus tard. Alors, c'est mieux? Oui, je pense que ça va. Oui, ça va bien. C'est assez long comme ça. La couleur vous va très bien. Est-ce que vous voulez essayer un haut pour aller avec? Eh non, merci, ça suffit pour aujourd'hui. Alors, c'était donc la situation de communication qu'on a déjà étudiée auparavant. Je vous rappelle aussi de grammaire. Il y a la différence entre trop et assez. Trop plus adjectif, assez plus adjectif, mais la différence est trop simple. Alors, on dit trop petit, trop grand, trop cher. Mais assez petit, assez grand, assez joli. Assez de travail, assez de papier. Alors, c'est tout à fait le contraire. Trop et le contraire de assez. Ce sont deux adverbes. Alors, manière de dire, on dit ça va. Ça veut dire tout simplement ça vous convient ou ça te convient. Concernant des vêtements. Cette couleur vous va bien. Je cherche une chemise pour aller avec ce pantalon. Quelle taille faites-vous? Oui, je pense que ça va. Non, ça ne me va pas. Je fais du 38. Voilà. Il y a une petite remarque ici. Il y a assez à deux significations principales. La maison est assez grande pour nous. Ça veut dire suffisamment. C'est pas trop, c'est bien évidemment. La maison est assez jolie. Elle n'est pas très jolie. Ça veut dire, il y a ici un sens tout à fait différent. La maison est assez jolie. Ça veut dire, elle n'est pas très jolie. Et la maison est assez grande pour, lorsqu'il s'agit bien sûr de la quantité. Il s'agit, et suffit tout simplement suffisamment. L'emploi de, il n'est pas très joli, très joli, très joli. Hein? Assez, il n'est pas. Elle est assez jolie. Hein? Elle est assez jolie. Ça veut dire qu'elle n'est pas très jolie. Pas très. Voilà. C'est ça la différence entre les deux. La maison est assez jolie. Ça veut dire qu'elle n'est pas très jolie. Faire des achats. Activité. Vrai ou faux? C'est une activité pour tester votre compréhension de la situation de communication. Complété par assez ou trop. C'est donc deuxième activité. Ça veut dire tout simplement, vous allez tout simplement comprendre l'utilisation de ces deux mots. Voilà. On continue avec choisissez la bonne réponse. Ici, vous avez le choix entre les deux mots. Papa achète un pantalon costume. Soit on dit un pantalon, soit un costume. Alors, je voudrais un haut pour faire avec ce pantalon. D'accord. Et compléter les légendes. Voici des légendes. Il y a 8 légendes ici. Il faut compléter. C'est un jeu de vocabulaire.
Alors, je vous laisse un peu du temps pour faire ces activités. Il y a 270 activités pour niveau débutant de communication progressive du français. Après, on va faire bien sûr la correction. Alors, voici donc la correction des activités. Faire des achats. Activité. On a vrai ou faux. Par exemple, Patricia veut essayer un ensemble. C'est faux. D'après l'association, c'est faux. La première jupe est trop petite. Oui, c'est vrai. La vendeuse ne trouve pas la jupe en taille 40. Alors, c'est tout à fait faux. Patricia achète seulement une jupe. Alors, on continue. Patricia achète seulement une jupe. C'est faux. Alors, activité numéro 2. Il faut compléter par assez ou trop. Assez de, trop de. Par exemple, tu as du travail. Ah oui, j'ai vraiment trop de travail, c'est fatigant. Le pantalon te va. Non, elle est trop petite. Trop petite. La veste vous va. Oui, elle est assez longue. Ça veut dire suffisamment longue. Tu vas acheter des vêtements à ta fille. Non, elle a trop de vêtements. Ça veut dire beaucoup de vêtements. Il va acheter son costume. Non, c'est vraiment trop cher. Ça veut dire très cher. Très cher. Alors, maintenant, troisième activité. Il faut choisir la bonne réponse. Pantalon, costume. On choisit un pantalon. Barbara achète un pantalon. Parce que costume réservé uniquement pour les hommes. Je voudrais un haut pour aller avec ce pantalon. C'est pas pour faire avec son pantalon. Je voudrais un haut pour aller avec ce pantalon. Où sont les cabines? Les cabinets d'essayage. Alors ici, on dit où sont les cabines. C'est pas les cabinets, non, les cabines d'essayage. Quelle taille avez-vous? Il fait froid. Agathe met son manteau. Oh, manteau. Alors, Barbara achète un pantalon. Je voudrais un haut pour aller avec ce pantalon. Où sont les cabines? Pardon. Où sont les cabines d'essayage? Quelle taille avez-vous? Il fait froid, Agathe met son manteau. Alors, ici, pour terminer, il faut compléter les jantes. On a ici une chemise, un costume, une robe, une veste, un tricot, un manteau. C'est pas, non, un manteau ici. Un manteau, un ensemble, une jupe. Voilà. Alors, c'est tout pour le moment. J'espère que cette séance, comme les autres, vous a plu. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, Je Communique TV, sur YouTube. Cliquez sur like si vous aimez des vidéos. Mettez des commentaires pour ajouter vos remarques. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Ça, c'est le plus important pour avoir de nouveautés de notre chaîne. Merci et à la prochaine. C'était avec vous, Monsieur Sebdalel de la chaîne Je Communique TV.